Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel album. Je vous en avais parlé un petit peu, il était en cours de construction, il est tout prêt, il n'est plus qu'à vous attendre. Donc il est disponible en précommande dès maintenant et ce sera notre album de mois de mars. Donc moi j'ai déjà mis quelques petits détails puisque c'est un cadeau que j'ai à faire, donc autant que je profite, puisqu'en plus j'aurai deux albums identiques. J'offrirai celui-ci. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez ici une pochette où moi j'ai mis une photo, mais on peut bien entendu en ajouter un petit peu plus. J'ai collé mon étiquette de couleur, j'ai juste mis l'autre avec un petit scotch pour vous montrer l'espace, mais je mettrai les petits messages après. Hop, et là, vous avez de l'espace pour ajouter des petites photos. Hop, et ça se ferme tout seul. Ici, vous avez une cascade de photos à ajouter. Donc, soit photo, soit papier design que vous pouvez ajouter. Et bien entendu, des petits messages. N'oubliez pas qu'il faut mettre en valeur nos photos. On peut mettre des tampons, mais vous pouvez aussi écrire vos petits messages, rappeler un souvenir. Ça, c'est vraiment à votre choix. Vous remarquerez ici que j'ai mis plein de petites branches un petit peu partout. J'ai utilisé juste la perforatrice branche pour cet album. Après, une perfo étiquette, c'est une perfo étiquette, je suis sûre que vous en avez plein chez vous. Mais j'aime le détail de ce petit projet comme ça, où on peut faire plein de petites choses. Donc ici, hop, je vais vous montrer avec celle-ci. On peut bien entendu glisser des photos supplémentaires, ça rentre dedans. Et vous en avez ici aussi. Et sur ce côté-là, on a une tirette. Enfin non, c'est juste un petit escalier de photos à ajouter. Hop. Alors on l'ouvre comme ceci et ça se referme comme cela. Hop. Ici, on a des petites cartes. On a des volets supplémentaires toujours pour ajouter des photos. Celle-ci était montée de façon à le fermer. Et avec nos petites cartes supplémentaires en photo ici, ça amène le petit plus parce que bien entendu, à chaque fois qu'il y a des pochettes, vous pouvez ajouter des photos. Ici, on a de nouveau, hop, un espace photo. Pareil, à chaque fois ici, avec des petits livrets, on peut ajouter des photos, des souvenirs. C'est vous qui choisissez et celui-ci s'ouvre ici et vous rajoutez une photo ici pour fermer. Là, pareil, un petit livret. Hop, et un petit aimant histoire de fermer tout ça. Ici, on a une tirette, mais une tirette inversée. Cette fois-ci, il va falloir, pour voir les photos, la pousser et elle coulisse en fait sur son support. Et celle-ci, je ne vous l'avais pas encore faite. Ici, pareil, une petite carte, des petites photos qu'on peut ajouter. C'est vraiment un espace de photos dédié très printanier. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier. Alors, ce papier, il est spécial. Il est fait partie des cadeaux hôtesses que vous pouvez recevoir. Donc, moi, je les commande et vous pouvez vous les procurer sans avoir à passer 200 euros de commande. J'en ai déjà d'avance, donc il n'y a pas de souci, je pourrais en fournir. Et il est très 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 joli. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime beaucoup. Et là, on a un album dans l'album. Cette partie-là, j'aime aussi beaucoup. Hop. Et toujours nos petites fleurs. J'ai rajouté quelques petites perfos d'une perforatrice fleurs. On en a tous, hein, soit en perfo, soit en dies. Ça vous évite des achats supplémentaires. Et ici, comme d'habitude, une pochette. Là, j'ai utilisé tout simplement un dies bordure pour amener une petite originalité, mais c'est vraiment à vous de voir si vous en avez une à la maison. Voilà, cet album, il est tout prêt, il vous attend. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Il est copieux, hein? Il y a du boulot dessus et surtout, vous aurez de quoi mettre tous vos petits souvenirs dedans. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous serez nombreuses à réaliser cet album avec moi. À bientôt!